Bonsoir Lynn, j'espère que tu te portes très bien. Alors je fais cette petite voice tout simplement pour témoigner la présence et la manifestation de Christ dans ma vie ce soir, la délivrance et la guérison dans ma vie ce soir. Tout simplement, ça fait très très longtemps que je mets des lunettes. Depuis, normalement, je vais mettre ça beaucoup plus tôt, mais quand je disais à mon papa, il disait non, Elise, tu peux pas mettre ça. Parce que c'est parce que je mets des lunettes et que tu pensais que voilà. Mais du coup, j'ai commencé à mettre des lunettes en secondaire, en première secondaire. Et il faut savoir que j'ai été diagnostiquée comme myope, mais vraiment myopie, avoir une myopie très grave. Je suis à du moins je ne sais combien là, je ne compte même plus. Et du coup, ces problèmes de vue on créait parfois, enfin pas parfois, tout le temps, genre la nuit j'avais mal aux yeux, j'arrivais pas à fermer les yeux de la nuit, donc du coup parfois je veillais tout simplement parce que j'avais mal quand je fermais les yeux. Et du coup ce soir, lorsque tu as demandé qu'il y avait quelqu'un, enfin n'importe quel problème de vue ou des yeux ou voilà, j'avais totalement oublié, mais la douleur est venue. Et là je me suis dit, ah oui! Moi, et j'ai levé ma main. Et après, j'ai expliqué ce que j'avais. Et gloire à Dieu, j'avais mal à ce moment-là. Mais après, la douleur avait disparu. Et après, tu nous as demandé de... Parce que, tu vois, je mets des lunettes, j'étais myope. Et... Enfin, j'étais myope, par la grâce de Dieu. Et du coup, on a un petit peu testé la lecture de loin. Il faut se dire que à partir de 30 cm, voire ouais, 30 cm, je ne vois plus rien. Lorsque c'est sur un téléphone, je ne vois plus rien, je ne vois pas ce qui est écrit. Et là, je suis allée jusque 1 mètre de distance de mon téléphone. J'arrivais à lire ce que tu étais en train de décrire dans les commentaires. Donc gloire à Dieu pour cela, gloire à Dieu pour la guérison que j'ai eue ce soir. Et j'ai remis mes lunettes à un certain moment, mais après j'ai eu la conviction d'enlever mes lunettes et la conviction, enfin j'ai entendu une voix me dire, tu auras ta guérison ce soir, Élise. Donc là, je prévois déjà aller voir un ophtalmologue. Il faut que je prévoie ça demain ou lundi pour aller voir un ophtalmologue d'ici 2-3 mois. Donc, gloire à Dieu pour la guérison que j'ai eue ce soir. Et merci beaucoup, Nine Simon, que Dieu te bénisse abondamment. Bonne soirée.